Welcome, alors bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais te montrer comment tu peux faire un simple. Donc, des personnes qui ont des soucis avec le 400 ou avec le processeur, ce qu'ils peuvent faire, c'est que lorsqu'ils composent une mélodie sur un instrument, c'est-à-dire qu'ils ont utilisé un VST par exemple qui est très lourd, comme Simple Thanks. C'est un VST qui pèse assez. Donc quand tu commences à composer, après il va te bouffer la 400. Voici par exemple une guitare que j'ai faite sur Simple Thanks. Voilà, donc assez facilement, ce que tu peux faire ici, c'est que tu mets le VST dans le mixeur, tu vois, tu link select channel to distract, voilà, et après le VST apparaît sur la piste, si. Maintenant, ce que tu peux faire encore, c'est que sur une piste, tu insères Edison, voilà, dès lors que tu as mis Edison, tu sélectionnes ici, on play, donc comme ça, il va lancer l'enregistrement. Dès que tu vas appuyer sur play, donc ici tu cliques aussi sur ce bouton-ci, voilà, et maintenant tu cliques sur play. Voilà, maintenant ce qu'on va faire là, on va découper ça et mettre ça dans la playlist. Tu vois que la partie jaune, c'est la partie en fait où la boucle recommence, donc je clique là, cote. Voilà. Voilà. Donc je vais supprimer encore ici aussi. Cote. Voilà, donc maintenant je clique ici. Voilà. Et puis, il va mettre ça directement là en simple, comme tu vois. Voilà. Maintenant, je peux enlever ça comme ça. Maintenant, ce que tu vas faire là, c'est que tu vas soit couper ceci comme ça. Ou à défaut, tu prends le sample, tu t'en vas le mettre dans une autre piste. Voilà. Paramétrique. Voilà. Donc tu vois assez facilement. Voilà, donc si on arrive à la fin de cette vidéo, je t'ai montré comment tu peux créer un sample assez facilement et l'exporter sur la playlist. Donc si t'as aimé la vidéo, laisse un pouce bleu, partage la vidéo au maximum. Ciao!